te rejoindre la sélection. Toi, tu as ton grand frère Kader qui a déjà joué pour l'équipe nationale. Comment as-tu pris cette nouvelle pour ton ami Mehdi? Je suis très heureux pour lui. Voilà, c'est un bel aboutissement de ce qu'il fait depuis quelques années. Il a eu pas mal de temps de jeu. En plus, avec le nouveau sélectionneur, c'est bien qu'il soit appelé. Voilà, je suis content pour lui. Est-ce qu'à un moment, tu as intervenu dans sa prise de décision? Est-ce qu'il est venu consulter ton avis ou quelque chose comme ça? Non, je pense que c'est vraiment une décision qui se prend personnellement avec les proches, avec la famille. Après, c'est sûr que s'il serait venu me voir, j'en aurais parlé avec lui, mais il n'est pas venu me voir pour ça. Je pense que tu es une des cibles de Christian Gourcuff pour les prochains stages. Est-ce que toi, tu répondrais favorablement à une sélection algérienne? Bien sûr, c'est sûr que voilà, c'est toujours une fierté de pouvoir porter le maillot algérien. Donc, je reviens d'une année noire gâchée par la blessure. Et voilà, je me sens bien, j'arrive à enchaîner les matchs. On a pu constater que tu étais quand même bien en jambes aujourd'hui. Tu as quand même multiplié les courses. J'ai à cœur de montrer ce que je sais faire après une année blanche sans jouer. Donc voilà, j'espère encore jouer, donner le maximum. Est-ce que la CAN 2015 est un de tes objectifs? Bien sûr, c'est toujours un objectif indirectement. Mais, voilà, ça passe par faire les bonnes choses à Noël. Et les choses viendront naturellement par la suite. Est-ce que tu as un petit mot pour le peuple algérien? Un petit mot, oui. Déjà, je suis très fier, comme tous les Algériens, de la Coupe du Monde qu'ils ont réalisée. Et voilà, j'espère que la CAN sera encore plus belle. Ok, merci Rachid.